Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que... Oh, excuse-moi le chat, je t'ai mis une tarte. Excuse-moi, je l'avais pas vu si près. Comment ça va les copains? Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou Ketas, bien de retour. Et ouais, vous jouez un mauvais tour. Pas grand monde aujourd'hui. Ah non, mais il arrive à 3, il arrive à 3%, on a le temps. Comment ça va, Keltas? On va en profiter pour dire bonjour à tout le monde. Coucou Keltas, salut Franck. Hello, follow me the good ones. Coucou Enyon, coucou James. James Liz. Omegion, salut Enerfox. Coucou 13, coucou Vapossi. J'espère que vous allez bien. Désolé, j'en ai plein la bouche des jeunes. J'espère que vous allez bien. On est ensemble jusqu'à 16h30. Allez, normalement c'est 17h30, mais 16h30 aujourd'hui, puisque mon chef m'a gentiment collé une réunion, enfin une formation ce soir à 21h. Donc du coup, ça me décale tout d'une heure. Donc c'est pas cool. Mais bon. Ouais, un cochon. On est mal. Si on est que ça pour faire le boss de zone, on est mal. Bon, nous sommes le 29. Demain, giveaway, les amis. Demain, nous avons le giveaway fin de mois. Il va falloir faire péter les tickets. Olivier, comment tu vas? On est la pleine bouche, putain. J'ai faim. Je viens juste de me lever, j'ai faim. Je suis en train de petit-déj, là, les amis. Ça, Olivier? Ça va bien. Fatigué, mais ça va. J'ai rien à boire en plus, Olivier. Tu m'y fais penser, j'ai rien à boire. Au passage, j'annonce. On va bientôt fêter les 3 ans de la chaîne. Et je pense que. Faut que j'en parle à ma femme. Parce que je vais te faire défoncer sinon si je n'en parle pas. Mais il y a des chances que il y ait. Ce bâton. Il y a des chances qu'il y ait un petit ce bâton. Sur il y aura un ce bâton je pense pour les trois ans de la chaîne. Donc il y aura du Lost Ark, il y aura du Star Citizen, on fera aussi du Marble Zone Stream pour s'amuser tous ensemble.
Ah ouais, le retour du taf, je suis d'accord que c'est dur. Oh putain. Duo, ah non. Non, bah non, non, je peux pas. Bah non, peut-être un peu de Warframe, pourquoi pas. Bon, on a le temps, c'est le mois prochain, hein, mais je commence à préparer les trucs. D'ailleurs, il va y avoir des gros changements qui vont arriver en septembre. Des gros changements qui vont arriver en septembre concernant les tickets, concernant pas mal de trucs. Donc, il va y avoir des modifs. Vous êtes pas prêts, les mecs. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Normalement, vous devriez encore plus. Normalement, vous devriez avoir encore plus de tickets qu'avant. Du coup, c'est ce truc-là devrait faire en sorte que vous avez la blinde de tickets. Pour vous donner un petit aperçu, la loterie va disparaître. Puisque la loterie ne fonctionne pas, donc on va l'arrêter. Tipeee va devenir uniquement un moyen de me soutenir au bon vouloir. C'est dommage parce qu'il y avait des choses à faire. Les tickets vont être modifiés. On verra bien. J'espère que ça. Ouais, j'espère que les changements. Il y aura peut-être un. Il y aura un tout petit peu moins de giveaway. Disons que là, ça va prendre une nouvelle forme. Vous verrez. C'est. Je pense pas que ce soit trop déplaisant pour vous. On va essayer de faire ça. Cool. Coucou Siltia, comment tu vas? Ah, il est vivant. Après 14 minutes en stream. Ah putain, m'en parle pas. M'en parle pas. Après, c'était. Mon beau-frère est venu. Mon beau-frère est venu dimanche. Mon beau-frère est venu dimanche. En fait, c'était pour réparer le PC de ma femme. Enfin, diagnostiquer le PC de ma femme, puisque le PC de ma femme ne s'allumait plus. Donc, du coup, il est venu le diagnostiquer. On a commandé les pièces qu'il fallait. Et normalement, ça devrait être. Ça, c'est déjà fait. Vivement demain le DL de Starfield. Je l'ai pas pris moi. Moi tu sais le solo, le seul truc qui me motive dans Starfield, c'est le fait de pouvoir créer ses vaisseaux, assembler les modules et tout ça. Sinon le reste ça m'intéresse mais m'attire pas du tout. Mais moi je sais pas, à la fois il me plaît pas, je... En fait c'est le fait que ce soit pas un MMO qui m'embête. Des solos, c'est ce que ça fait chier en fait. Bah après, on va pas se mentir hein. C'est du Bethesda, ça va sortir full buggé. Ça va sortir full buggé. Et au bout de 3 semaines, ils auront patché. Donc, du coup, là, ça deviendra intéressant. Mais Day One, rien d'intéressant, Day One. Je sais bien. Tintia, qui sont solo, c'est. Ils sont solo leur jeu.
Mais je trouve ça dommage parce que moi ça m'intéresse. Enfin, moi ça m'attire. Du coup, ça m'attire pas vraiment en fait. Même si le jeu a l'air vraiment stylé. Même si le jeu a l'air stylé, ça me. Pas le genre de truc qui m'attire en fait. C'est dommage parce qu'il a l'air vraiment stylé. Hein. On va pas se mentir, il a l'air vraiment classe. On verra bien, hein. De toute façon. C'est lui dans le guild. On verra bien ce qu'il y a, puis en fonction. On dit de Bethesda, mais SC est pas mieux niveau bug. Oui, sauf que, en fait, quand tu prépares un jeu où t'as aucune interaction avec les autres, c'est quand même beaucoup plus facile qu'un jeu où t'as des multitudes d'interactions avec les autres joueurs, quoi. Alors, même sans parler d'alpha ou pas, parce qu'en fait, si tu regardes bien, SC, enfin, Starfield, ils ont mis moins longtemps pour le développer, mais en même temps, après, SC sont partis de rien. Enfin, ils sont partis d'un truc qui n'existait pas, donc forcément, déjà, ça les a pris, ça leur a pris 3 ans de trop, déjà. C'est exactement ça, Cynthia. On se rend pas compte, mais à mon sens, enfin, c'est mon avis, après, hein. Mais la blinde d'interaction qu'il doit y avoir avec les autres joueurs, que tu n'as pas dans un jeu solo, je pense que ça contribue aussi au fait que c'est quand même, enfin, je vais pas dire, mais peut-être plus simple à coder. Donc plus simple à faire avancer en fait. Après, je suis pas en train de trouver des excuses à Star Citizen, qu'on soit d'accord, hein. On sait tous que Star Citizen, il y a des fois, ils se foutent un peu de notre gueule, voilà. Mais je suis pas en train de leur trouver des excuses, juste que, ben, à mon sens, déjà, comparer un jeu solo dans les MMO, je suis pas sûr que ce soit relativement équivalent. Vivement la Citizen Con, je suis assez d'accord, c'est le cas. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous annoncer. De toute façon, comme d'hab, ils vont nous reparler de Pyro, comme la dernière fois. Donc déjà, on sait déjà qu'il va y avoir. Look, le faux Steam de Starfield qui compare les deux jeux. Alors non, j'ai trop de Steam. J'ai trop. Le faux Steam. Ah faux, pardon. Forum. Le seul point commun, c'est l'espace. Ok. J'ai entendu dire en plus que tu n'atterrissais pas sur les planètes. Que c'était une cinématique. Déjà. Vous pourrez pas bénéficier de mon atterrissage légendaire. Ça déjà, rien que ça déjà, c'est un mauvais jeu. Voilà, rien que ça déjà, ne pas me voir atterrir, c'est un mauvais jeu. Je suis d'accord avec toi, Olivier. Les deux jeux sont pas comparables. Ouais, j'ai vu la vidéo sur Twitter où la nana en fait elle court tout droit, enfin la nana ou le mec il court tout droit en fait, et au bout d'un moment il arrive à un mur invisible en fait. C'est pas du open comme Star Citizen, tu peux faire le tour de la planète. Bon, ça va te prendre des années, tu seras mort 15 fois, mais tu peux faire le tour de la planète sans problème, alors que là en fait tu peux pas. Je suis d'accord avec toi, Keltas. Après, il faut voir les à côté en fait. Faut voir les à côté après, Okeltas. Moi j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Après, on va pas se mentir, hein. Skyrim c'était un jeu fou. Hein. S'ils reproduisent la même chose en version Space, il y a moyen qu'il y ait des modes de barré. Hein, parce qu'on joue encore à Skyrim. Hein. Et ça fait des années qu'il est sorti. Hein. C'est ça qui me plaît en fait, Okeltas. De faire les vaisseaux modulaires, le fait de pouvoir faire ta base, le fait de pouvoir faire plein de trucs. Ça me plaît, c'est vrai que ça me vibe, hein. Moi je dis vendredi à 3h du mat, donc une heure après sa sortie. Ouais. Sur Nexus Mode, t'as déjà des modes grosses. Hein. Moi je dis t'as surtout un truc pour faire le. Comment ça s'appelle?
rappelle, pour faire le Faucon Millennium, pour faire les vaisseaux Star Wars. Au passage, je vous ai mis un nouveau point de chaîne. Je vous ai mis un nouveau point de chaîne, j'espère que ça vous plaira. C'est un point de chaîne, c'est du son. Déjà des gens qui ont mode des sabres laser. Oh là, moi par contre là, tu vois, il y a deux genres de moyens où je prenne ce genre de choses. C'était l'élite. Putain, je discutais et j'ai pas claqué mes trucs. Ouais, mais ça déjà tu vois, ça me hype. En mode Star Wars, ça déjà tu vois, là il y a moyen que je le prenne. Là tu commences à me parler ma langue là, etc. Bah attends, tu te bats avec un sabre laser, tu peux. Star Wars Balek, mais ta gueule, Siltia, en fait. Siltia, je vais le ban pendant 2 heures là. Je vais le calmer de dire des méchancetés de Star Wars. Ça va le calmer. C'est pareil, il y a des chances qu'à partir du 8 septembre je sois disponible très souvent. J'en saurai plus la semaine prochaine, mais il y a des chances que je sois disponible très souvent, donc du coup les lives seront peut-être plus longs, il y aura peut-être plus de raids, il y aura peut-être des contenus différents, enfin on verra, mais il y a des chances qu'il y ait des modifications sur les lives parce que là en l'occurrence en fait tous les jours. Je parle sur le stack, ça dépend, mais sur le stack en fait je fais mes cotis, tout ça, j'ai pas trop le temps de vous montrer les raids que je fais. Donc du coup on essaiera de faire plus de raids quand on arrive au stack. C'est pareil, les horaires de stream vont rester inchangés, je vais streamer l'après-midi. Par contre il se peut que ce soit du lundi au vendredi et que du coup je garde le week-end free en fait. Faire un peu ce que je veux pour jouer avec les potes, tout ça. Retraite le 8 septembre, j'aimerais bien Siltia. J'aimerais beaucoup la retraite. Il y a de grandes chances pour que je sois licencié pour inaptitude, les Siltia en fait. Mais comment le deuxième Kraken et je paierai pas de deuxième Kraken. Ça m'a déjà fait suffisamment un trou au cul. Enfin, un troisième parce que j'en ai déjà beaucoup de trous. Mais non, il n'y aura pas. Je pense que ça sera clairement le seul capital ship que j'aurai, je pense. Quand je vois le prix des autres. Ah bah non, ça sera pas le seul, je peux pas dire ça, puisque il y a le libérateur là qui arrivera. Mais là pour le moment j'ai plus de sous pour les CCU Chain, donc du coup. Moi ça sera c'est Kraken et Liberator. Ouais, un jour. Après il sera classe. Le jour où il sortira, il sera classe quand même, ça c'est clair. Ouais, j'avoue. J'avoue que le jour où ça sortira. J'espère qu'il sera classe. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen qu'il soit classe. Je pense qu'il y a moyen. Demain on sera sur la plateforme verte. On va faire du Star Citizen demain sur la plateforme verte, les amis. Il l'avait promis il y a quelques années, c'est jamais arrivé. Attends, on serait bien. Fin d'année, le test pyro en évoquait. Ah ouais, bah moi j'y crois pas. Hein. J'y crois pas avant l'année prochaine, mon Citia. Pour le pyro, j'y vois pas avant l'année prochaine. Ils ont pris trop de retard avec la 3.18 qui était une merde sans nom.
voyez, quand j'utilise mes ultis comme il faut, bizarrement, ça va tout de suite plus vite et je meurs pas. Mais t'es sûr que de toute façon qu'à la CitizenCon, ils vont nous parler de Pyro à nouveau, comme ils ont fait les dernières. C'est obligé. Il faut qu'ils entretiennent l'hype, donc ils vont dévoiler des nouveaux trucs de Pyro. Non, je pense qu'ils en parleront. Je pense qu'ils en parleront en développant, en montrant des nouveaux trucs qu'ils ont trouvés, qu'ils ont fait, tout ça, pour maintenir l'hype en fait. Parce que le but, hein, on va pas se mentir, le but ça reste commercial, hein, le but c'est de développer pas développer des fonds, mais d'en débloquer. Et qui c'est qui débloque les fonds? C'est nous. Et donc du coup, si nous hype pas, il n'y a pas d'argent qui est dépensé. Donc ils sont obligés, donc ils en parleront forcément parce qu'ils savent très bien que c'est ce que tout le monde attend. Enfin, c'est ce que beaucoup de gens attendent en fait. Il y a un truc qui est cool pour le changement Wave PTU, je suis pas emmerdé. Pas de sub, pas dépenser 15-25 000. Ah ouais. Oui, oh. La Teasing Gun égale plus de thunes pour eux, c'est exactement ça Olivier. C'est pour ça que, pour moi, ils parleront forcément de Pyro. Parce que Pyro, c'est un des trucs les plus attendus en fait. Le changement en fait. C'est le changement qui est le plus en plus attendu par les joueurs en fait. Parce qu'ils en ont marre de Stanton et de tourner en rond en Stanton. C'est pour ça qu'ils parleront forcément de Pyro. C'est logique. Enfin, moi, ça me paraît logique. Moi, je ferais ça. Hein. Je suis persuadé que pendant la CitizenCon dernière là, ils ont pas tout montré ce qu'ils avaient fait de Pyro pour s'en garder pour cette année au cas où il y ait des retards et tout ça. Et du coup ils vont nous montrer des trucs qui sont déjà développés, qui sont en cours de développement mais qui ont déjà été faits. Uniquement pour entretenir la hype et pour dire oh putain c'est le truc qu'on avait pas vu encore, c'est tout nouveau et tout, alors qu'en fait c'est pas nouveau, ça a déjà un an, mais voilà quoi. C'est surtout lié à eux. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, Sylvia. Je suis d'accord dans le sens où, effectivement, l'IAE rapporte énormément d'argent à RSI, on va pas se mentir. Hein. Ça serait complètement con de se voiler la face. Mais je pense que la CitizenCon, en fait, elle entretient cette hype qui permet justement d'aller vers l'IAE. C'est pas pour rien que la CitizenCon... Et avant l'IAE, à un mois d'intervalle à peu près. C'est pas pour rien. Tu hype les mecs de ouf, derrière tu sors un truc. Non, l'Invictus c'est en... L'Invictus... Mais... Je dis pas que la CitizenCon est rentable. Je dis que la CitizenCon est un moyen de hyper les gens et de leur faire dépenser de l'argent. J'ai jamais dit que c'était rentable. Mais c'est pas pour rien la CitizenCon, ils la sortent en septembre, octobre. Et puis derrière, t'as l'IAE. Parce que d'abord, tu hype les mecs, ils dépensent un peu. Bah, derrière, bam, tu fais l'IAE, tu fais grosse promo, bam, ça redépense encore un peu. Parce que les mecs sont déjà hypés de ce qu'ils ont vu il y a un mois, quoi. Parce que c'est encore dans la tête. C'est uniquement ça en fait, Sylvia. C'est ce que je veux vous dire. Enfin, c'est ce que je veux te dire en l'occurrence. C'est du commercial. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pas mis les dates des CitizenCon et machin. Ils les ont pas mis au hasard pour les faire plaisir, pour vous faire plaisir. Hein. C'est du marketing. Hein. Donc, bah, c'est ça. Hein. C'est rien, c'est unique, c'est tout fait pour nous faire dépenser de l'argent, c'est ce qui est logique. Enfin, en même temps, on serait PDG de boîte, on ferait la même chose. Enfin, on tenterait de faire la même chose. Je dis pas qu'on y arriverait, mais on tenterait de faire la même chose. Parce que bah, c'est du commercial, c'est du marketing, et le marketing, c'est fait pour faire dépenser les gens et pour hyper, en fait. C'est ça, hein. Il y a des individus indisciplinés autour de l'obélisque. Je voulais faire le cube, le Anumatan. Tac, 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 c'est bon. C'est pour nous préparer à dépenser encore plus. Et c'est exactement ça, Olivier. J'ai de la peine pour L'Oriel. Prunia était quelqu'un de bien. Thank you.
Je n'entends pas la musique. J'entends pas la musique, si tiens. Moi je la mets pour vous, mais moi j'entends pas. Mais Pika, ils ont fait des trucs sympas. Moi, je trouve qu'ils ont fait un remake de Dark Vador aussi, ou de l'Attaque des Titans. Ils ont remake l'Attaque des Titans et la Marche Impériale. Et franchement, moi, j'ai trouvé ça bien fait. Hein. Mais je les entends pas les musiques. Elles sont trop faibles de mon côté en fait pour les entendre. J'ai le nom qui tourne, mais je les entends pas. Si tu veux, en fait, Siltia, j'ai ce matin en temps du boulot, en fait le problème tu vois c'est qu'en fait je suis à plus de 90, enfin 8 heures par jour je suis à plus de 80 décibels, 8 heures par jour je suis à plus de 80 décibels au boulot, et donc du coup en fait maintenant les musiques, j'ai beaucoup de mal avec les musiques. J'ai beaucoup de mal avec le bruit en fait. C'est vrai que moi j'entends quasiment pas. Après je l'avais baissé pour ma femme aussi. Parce que comme elle était encore au lit, je me suis levé pour streamer, du coup je voulais pas trop non plus la réveiller. Allez, ça c'est torché, on n'en parle plus. Mais là, j'ai hâte de vous proposer, là, début septembre, le changement de tout ce qui va se passer. Là, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Donc, pour ceux que ça intéresse, effectivement, il y a un nouveau point de chaîne qui a été mis en place aujourd'hui, hein, pour la semaine, qui reprend une célèbre phrase de Valtan. Non, j'y suis pas allé, Olivier. Je t'avoue que le show d'autre, je m'en cogne un peu. Je t'avoue que... en fait. Le droit de t'abonner à nouveau, mon cher Siltia.
le droit de te réabonner en disant oh mon streamer préféré, Cynthia, merci beaucoup Neria, mon streamer préféré, oh là là, je t'aime, love love. Et filer 48 000 euros pour un Legatus Pack pour un giveaway. Non, c'est pas ça. Moi j'aurais essayé. Hein. Allez, on va aller faire un tour au tripod. Non, je voulais d'abord aller. Je voulais d'abord aller au machin, là, au bonhomme. Carte. J'ai donné mon prime à un Australien car marathon. Et il fait win des PC, on sait-on jamais. Ah oui, d'accord, ok. Non mais je retiens Cynthia en fait. Je retiens que t'es un mec vénal en fait. Je retiens. Je retiens. Je suis triste. Je suis triste, mais à la fois en même temps, je comprends. Il a tout ça lui. Je ne winnerai jamais off course. Bah tu vois, si tu sais que tu vas pas gagner, pourquoi tu me lâches pas ton prime à toi? À moi, parce que moi je suis gentil, en plus. En plus d'être séduisant, je suis gentil. Et en vrai, je le suis depuis plusieurs années. Non mais je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Je m'en cogne. Je m'en cogne, chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'était juste pour te taquiner. Je reste triste, mais je m'en fous. Mais je reste triste, mais je m'en fous. Oh punaise. Ah là là. Allez, on va faire des tripotes et on va changer de perso. De toute façon, on est mardi, il faut que je fasse tous les achats sur les trucs. Ouais. Et ben voilà, on avait un tripode à faire. Ténacité, focalisation visuelle, un accord évasion critique, expert en explosif. Waouh. Casse tout, non? Il est bourré, il est blindé de merde, mon inventaire. C'est oufissime. Putain. On avait dit qu'il fallait que je fasse maintenant cela. On va faire les dons guild. Ouais, non, on va attaquer directement parce que j'ai pas vraiment le temps, donc on va se bouger un peu. Tu te tripotes? Ouais, c'est surtout mes persos que je tripote. C'est surtout mes persos qui se tripotent. Mais j'y peux rien, c'est comme ça, ils aiment bien. Ils arrivent au PNJ, hey, j'ai des tripotes. Ok. ah oui, putain, en parlant de ça, on avait dit les étirements d'Olivier, hein. Les étirements d'Olivier, parce qu'il les a lancés, et après je dirais à Farhan à boire un coup, parce que... Il a fait ça pendant que j'étais en train sur le boss de terrain, j'ai dit j'irai faire après, après je suis parti faire les... Je suis un tripoteur. Alors, j'espère pour toi que c'est juste ta femme, pote, Olivier, parce que sinon, ça sera dit, redit et amplifié, et tu vas morfler, mec. Je reviens, je vais chercher à boire. Je vais chercher à boire.
Oh, et re les copains. Oh là là. Harry Tripotter. C'est... Non, c'est Harry le Plotter. Son père, c'est James Plotter. Sa femme, c'est Lily Plotter. Et du coup, Harry, c'est Harry le Plotter. Harry Plotter. J'avoue, faut faire mieux que Franck, là. C'est chaud. Comment tu vas, mon Francky? Tiens, au passage, ça me fait penser. J'ai mis un point de chaîne. Je t'ai un peu copié, mon Franck. Je suis désolé, je t'ai un peu copié. Toi et ton Baltor, j'ai fait pareil, mais avec des méchants. J'ai fait pareil avec les méchants, mais moi, c'est pas, j'ai pas la vidéo. Hein, moi, j'ai pas fait la vidéo. Ça y est, les serveurs ont migré. Non, c'est demain. Demain, ils prévoient une mise à jour pour toute la journée. Demain, les serveurs migrent. Demain, EU West et EUC seront réunis en un seul, en une seule et belle famille de serveurs. La famille Lost Ark. Europe, wouh! Hey, ta gueule, non mais oh. Genre, oui, effectivement. T'as été automodé, mec. Eh, coucou Aliena, ça va bien, je suis un peu fatigué, mais ça va. Et toi, du coup, des nouvelles pour ton scanner ORM là que tu devais faire? D'ailleurs, au passage, ton... Alors, je sais pas si vous voyez la même couleur que moi, mais l'orange d'Aliena, je le trouve particulièrement très joli. Genre, ton mode censure, ça. Ouais, tu t'es fait censurer. Je l'ai accepté, mais tu t'es fait censurer, mec. Et bien fait, là, 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 là. Bon, du coup, vu que ma femme est levée, je peux... ouvrir un peu la lumière. Voilà. Allez, on est parti. Wouh. Et toi, mon Aliena, comment tu vas? Je sais que toi, tu vas toujours bien, mais je demande quand même, on sait jamais. Moi j'ai Aliena écrit bleu violet. Ah ouais! Vous avez pas la même couleur. Moi je l'ai en orange braise là. Il est magnifique. Moi le mien c'est toujours la même puisque j'ai changé la couleur, donc du coup c'est toujours la même couleur pour moi. Pareil. Un petit violet des familles. Mais j'avoue que là l'orange braise de. D'Aliena, je le trouve vraiment très joli. Oui, j'ai toujours des cacoules à faire. Sauf que malheureusement, je travaille ce soir et j'ai une formation. Donc je vais pas pouvoir faire plus, pas pouvoir faire beaucoup, mais j'ai des cacoules. On peut en faire, ouais. On peut en faire un ou deux. Marre des cons qui mettent des couleurs flashy, illisibles, qui taclent des yeux. Ah non, qui t'éclatent des yeux. Ouais. Éclate aussi. Ouais. Mais je suis pas très au point. Ça tombe bien, moi aussi. Ok. Bah moi j'en ai fait zéro, donc c'est vite fait hein. Hier, il y a un dev nous a demandé de le join sur un serveur debug sur SC. J'ai join 5 minutes après 30k, bah c'était rapide. La G3 en revanche, pas réussi à trouver de groupe pour learning dessus. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué.
Enfin si, avec mes supports c'était bon. Bah ouais, ouais. Toujours bon avec les supports, hein. Ça je m'en rends bien compte, hein. Même sans parler de retard, en fait, Siltia. Le problème de ce jeu, c'est qu'en fait, les gens courent après l'e-level. Et du coup, ils n'ont pas le temps d'avancer. Il y a trop de contenu, en fait, pour le temps que tu y passes, en fait. Donc du coup, en fait, pour pouvoir faire tout ce qu'il faudrait, il faudrait y jouer la journée. J'ai pas la journée, malheureusement, pour y jouer. Parce que, bah, je ne suis pas encore au chômage. Pas encore. Mais c'est le problème, en fait, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc, du coup, les gens n'ont pas le temps d'apprendre, en fait. Ils n'ont pas le temps de faire des groupes pour faire apprendre aux autres. Ouais, aussi, Aliena. Le problème, c'est qu'ils veulent nous faire rattraper la KR, alors qu'en fait, c'est pour ça que le contenu sort à une vitesse grand V, en fait. Mais on n'y arrivera jamais à rattraper. Enfin, c'est très compliqué de rattraper. On va courir après. On va courir après. C'est une des raisons des burn-out des joueurs. Hein. C'est que les mecs, ils ont galère de à chaque fois après les levels, après tout. On se tape les mises à jour, les réductions de gold en même temps que la KR, alors qu'en fait, nous, on n'en est pas du tout au même niveau, donc ça, c'est pas normal. Mais bon, ça, malheureusement, ils sont tellement cons qu'ils ont pas compris. Ils nous réduisent les golds quasiment en même temps que la KR, alors que la KR, en fait, ils ont eu 5 mois de plus pour farmer dessus, quoi. Sur le même contenu, donc en fait, ils sont complètement débiles, mais bon, basta. Mais l'optique, c'est rattraper. Un peu de mon con d'ailleurs, mais bon, basta. C'est ça qui est dommage. Il faudrait qu'il diminue le coût en gold d'un paquet d'éléments, pas seulement l'owning. Ouais, mais en fait, globalement, tu doubles les gold, je pense que ce serait pas mal déjà. J'ai même pas claqué mon ulti, quoi. Allez, hop. Même pas de braise du destin, quoi. Bah non, mais tu rigoles, Franck, mais le problème, c'est que... Il y a énormément de choses à faire, en fait, et on n'a pas le temps de tout faire. Arrêtez de casualiser mon jeu. C'est un jeu pour l'élite. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que, ouais, en fait, ils veulent rattraper. Moi, je trouve le plus gros problème, c'est qu'en fait, ils nous pondent les quality of life. Alors, c'est bien de nous pondre les quality of life en quasiment même temps que la KR. Sauf que le problème, c'est que dans les quality of life, il y a les réductions de gold. Et les réductions de gold, nous, on n'est pas au même endroit que la KR, en fait. Et c'est ça qui me gêne. Ah non, mais clairement, je suis d'accord avec Aliena, en fait, le jeu, il est pas dur en soi, il est juste long, en fait. Ah non, c'est pas pareil, je suis pas d'accord avec toi, Franck, hein. C'est pas pareil.
un jeu dur. Ah, c'est dur mentalement alors. Ouais, mentalement, par contre, je suis d'accord. Mentalement, c'est... on est mort. Coucou Esmaluna, comment tu vas? J'ai une ferro. J'ai pas de destro sur ce perso là. Alors attends, faut que je prenne des destro. Ah non, j'ai pas de destro sur ce perso là. Ah si, non. Si, j'ai des destro, elles sont là. Alors du coup, on va faire. Tac, les time stop, on les dégage. La ferro, on la met là. Et derrière, la destro, on la met là. Ok, ça c'est bon. Ensuite. Trop manger. Ah bah bravo. Bah, je trouve que Lineage 2 était bien plus dur mentalement. Enfin, bien plus dur mentalement que Lost Ark. Mais c'est du... pourquoi je peux pas? Ah bah oui, parce que je suis pas sur la bonne page. Hop hop. GG Aliana, c'est cool. Ça grimpe. Alors. On a quoi comme bracelet là? On a de la bouse en bracelet. On a quoi? Fracture. Ok, ça c'est bon. On va aller faire les tripotes. Mais c'est vrai que non, le problème du jeu, c'est qu'en fait, il faut, si tu veux tout faire, faut être chômeur, quoi. Enfin, moi, je suis désolé, mais j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de tout faire. Je loupe deux jours de jeu, j'ai pas le temps de faire mes raids, en fait. Et je me fais... Enfin, après, moi, je fais pas de bus, donc du coup, déjà, voilà. Faut que je continue mon replay demain. Merci beaucoup Esmanuna, bon replay à toi. Demain, si tu pourras changer les attributions de guild, s'il te plaît, ça me fait penser. Oui. Bah, je peux changer ça maintenant, hein. Comme ça, tu y as pour demain direct. Hein. T'as regardé, tu peux pas le faire. Alors, attends. On va faire plus simple. Je vais passer un de tes persos en chef de guild, comme ça tu pourras le faire comme bon te semble. T'auras juste à mettre le rôle, tu me mettras le rôle d'officier, on n'en parlera plus. Juste je fais ça et je regarde ça après. Oui, c'est ce que je pensais, Taslayer. Ah, attends, du coup, je fais ça tout de suite, comme ça. On n'en parle plus. Comme ça, c'est fait. Et du coup, au passage, Olivier, à la tienne. Putain, je suis crevé. Le boulot, la reprise du boulot hier, ça m'a tué, quoi. Vous êtes de retour. Je vous attendais. Certaines affaires méritent votre attention. Vous pouvez aller les consulter. Ouais, je peux aller consulter ta gueule. Merci FrankensTV, merci beaucoup pour ton follow, j'espère que tu vas bien. Merci énormément. Et bah du coup, on va faire un petit giveaway.
Allez, point d'exclamation GIF, les amis. Une minute pour participer. 500 pièces, c'est à gagner. Le ticket de tombola gratuit pour demain. Comment va? Très bien, et toi? Merci. Oh, merci, mon petit cœur, pour ton abonnement. Merci beaucoup. On prendra du coup deux gagnants. Deux gagnants pour les 500 piécettes. Allez, je m'occupe de ça, du coup. Non, c'est pas ça. C'est Alt-U. Alors, la Slayer, on a dit. Yoko. Alors, putain, comment on fait déjà pour changer les... Je me rappelle plus comment on fait pour changer. Gérer, voilà. Modifier le chef. Voilà. J'ai pas pu choisir. J'ai pas pu choisir, du coup, c'est... je sais pas qui c'est déjà. C'est Aliena. Après, tu le déplaces comme tu veux, toi, après, du coup, t'as le GM. Tu le déplaceras comme tu veux, en fait. Voilà. C'est fait. Ça va très bien, et toi? Bon, du coup, on prend les gagnants. Allez, hop. Allez, on prend deux gagnants. Et les gagnants sont... Frankens et Siltia, bravo à tous les deux. Merci énormément pour votre soutien, les copains. On a le chat réservé aux followers. Alors, on a dit. Frankens TV. Il se met bien dès le début, le petit Frank, là. C'est, du coup, c'est un deuxième Frank, en fait. Allez, deuxième Frank. Hop, un petit ticket gratuit, ça c'est fait pour notre ami Frankens. Et ensuite, depuis le début, ça. Et on a dit Siltia. Siltia, il m'a envoyé un MP en me disant je le donne à Neria. Vas-y, prends Neria pourrait prendre mes tickets. J'en ai trop, moi, je sais pas quoi en faire. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et en haut, ça mérite un ban, ça. Hein. Ça mérite un. Un ban temporaire, ça, hein. C'est pas gentil. Non, je te les ai crédités. Je suis pas quand même à ce point-là. Sinon, tu sais, j'ai accès, en fait. Donc, moi, je peux me rajouter des points comme je veux, en fait. Je peux me rajouter, vu que j'ai le tableau, je peux me rajouter des points comme je veux. Bravo, Siltia, bravo, Frankens, bravo à tous les deux pour votre soutien et d'avoir gagné. Frankens, je sais pas si t'es nouveau sur la chaîne. Enfin, je sais que c'est nouveau sur la chaîne, puisque tu viens de te follow. En tout cas, merci énormément. Et si tu as récupéré, pas de juron. Espèce de petit saligo. Je t'invite du coup, Frank Hudden. Attends, 15 minutes, voilà. Je t'invite, Frank Hudden, à faire point d'exclamation giveaway et point d'exclamation ticket. Ça t'expliquera en gros ce qui se passe sur la chaîne. Et on a un pas de juron pendant 15 minutes. C'est génial. Je te déteste. Bon, du coup, on va finir... On va aller sur la banquière, tiens, pendant qu'on y est. Pas sur la banquière, sur la... Sachant qu'il va y avoir des modifications à partir de septembre. Donc à partir de vendredi, il va y avoir des modifications sur pas mal de choses. Ça sera marqué tout sur le Discord. Il y aura un patch note. Je vais pas dire gros, mais il y aura un patch note sur le Discord. Parce que là, il va y avoir des choses qui vont se modifier. Et Fashionista. Oh, Pierrot. Pierrot a lancé le Fashionista. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse un perso ensemble. Fashionista, mon cher Pierrot, ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse ensemble un personnage.
Alors. Ça, c'est bon. On a les trois ici, c'est bon. Tac, 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 c'est bon. Donc voilà, donc là maintenant tu connais le principe, tu connais le système de tout. Demain, il y a le giveaway, il n'y a pas de 14h, il y aura un giveaway mensuel comme d'habitude. Le giveaway du mois de juillet. Ah, je ne l'ai pas modifié. On est en août, je ne l'ai pas modifié, putain. Oh, c'est pas grave. Je le modifierai pour le mois de septembre, c'est pas grave. Je viens de calculer le truc maintenant. Le giveaway du mois de juillet sera le 31. Ouais, mais on est en août, mec. Je suis à la bourre. Donc, du coup, le giveaway, c'est demain, giveaway mensuel. Il y aura une carte cadeau Steam 25€ ou une carte cadeau de Star Citizen 25$. C'est ça ? 25€ Steam ou 25$ Star Citizen. Ouais, c'est ça. Si jamais le sub goal est atteint, donc si jamais on arrive à avoir 15 subs d'ici demain, ce qui m'étonnerait, hein, on aura un deuxième giveaway identique, donc deux gagnants. Et voilà. C'est à peu près tout. Et on va terminer, je vais aller sur le paladin, on va dégager. On va dégager les 3 gemmes 5 pour en faire une gemme 6. Ça fera de la place. Et du coup là j'ai encore la blinde à faire, ça m'énerve, j'ai pas fini, c'est 15h, j'arrête dans 1h30, j'ai encore rien fait. Purée, ça me gonfle. Je te jure, hein, c'est vraiment un boulot, ce jeu est un travail. Bon du coup mon cher Franken, ça joue à Lost Ark, ça joue à Star Citizen, dis-moi tout. Ça joue aux deux. Si tu joues aux deux, je t'aime. Bah oui, stop YouPorn, ouais, stop travail surtout, ouais. Tu stops le travail. J'arrête le travail et pas de soucis, je peux jouer autant que je veux. Déjà que je travaille pas. En plus, déjà que je travaille pas beaucoup, alors si en plus derrière il faudrait que. Hein. Ah c'est une 6, d'accord, ok. J'avais bien que j'avais une 6 qui traînait. Yes! Hop là! Une petite CDR. Du coup, j'ai dit que j'avais une 6 qui traînait. Bah, si, on a une 6 qui traîne. Hop, la 6. Allez, je vais faire le don de guild pendant que j'y suis. C'est pareil, la loterie, d'ici demain, si la loterie est pour le moment à 8€, plus elle montera, plus vous pourrez avoir de gros cadeaux. Actuellement, le pot est à 8€. Si demain, on arrive à 12 ou 15, je pense qu'on peut faire une petite carte cadeau SC ou Star Citizen de 10€. 10€, 10$. Pour les frais de port. Pas pour les frais de port, pour les taxes. Et on a dit qu'on continuait Icaria. Il nous reste Caligos à faire sur ce perso-là. J'ai encore Neteria à faire. C'est quoi Neteria, Eliseus et Néphistis. Il y a encore 4 persos, oh là là. Eh ben les amis. Faut que je passe streamer à temps plein, les amis. Et que j'arrête YouPorn, comme a dit Siltia. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ah, mais c'est ça, hein. SC et Star Citizen, c'est... Ah, merde. Lost Ark et Star Citizen. Merci, Olivier. Heureusement, tu rattrapes mes conneries. À la Police Academy, c'est ça. C'est ça, finesse. Allez, Caligos. C'est ça que j'aime. Quand t'es support, tu tagues, tu trouves toujours quelque chose et au moins t'es assuré d'avoir un support dans ton groupe. Quand je pars avec l'élé tempête en matchmaking... Ah, putain. Quand je pars avec l'élé tempête en matchmaking, bah c'est rare que j'ai du support, hein, putain. Je suis obligé de partir en groupe pré-made. Pour avoir un support, quoi. Il est où? Il est là-haut. Ok.
Allez, Kaligos, hop là! On est en P1, je peux bousiller mes. On est en P1, je peux bousiller mes portails. Allez, on attaque. C'est parti. Merde, j'ai pas vu la, j'ai vu la fulguration, j'ai vu son truc, mais. Oh là là, ça pue ça. Par contre, on n'a pas la place de bouger, donc ça pourrait être pas. Ça pourrait être pas mal, hein, on n'a pas la place de bouger ici, hein. Ah putain, il s'est barré, hein, foiré. Je rajouterai du temps, t'inquiète pas, Sylvia, t'inquiète. Ah bah, c'est le but! C'est le but de rajouter du temps. Coucou Pierrot, 1 heure de plus, ah bah minimum, carrément. Et je me suis encore trompé de bouton! Faut que je le change, ça. Hein. Faut vraiment que je le change. C'est pas possible. Hein.
Par contre, on est toujours en P2 là. Hein. On n'est pas encore en P3. Hein. Purée. Ça manque un gigapoil de DPS quand même. Une semaine. Ciao Sylvia. Ah bah voilà le P3, maintenant que j'en parlais. Ah putain, trop tard. Ok, la boule. Ah, le contre! Putain, GG. J'étais pas devant. J'ai cru qu'il passait pas comme tout à l'heure. Tu sais, je peux trop. Je peux trop. Temps de respawn. Marchandises du poste lancé. Tu sais où je peux trouver le temps de respawn des marchandises d'autre. Non. Aucune idée. Je saurais pas te dire, Pierrot. Le temps de marche. Sur le site de commerce là. Putain, comment il s'appelle ? Le site de commerce là. Attends deux secondes. Je cherche ça. Comment il s'appelle? Attends, je dois l'avoir sur le Discord, le site de commerce. Il y a un site de commerce en fait et il s'est peut-être marqué dessus. Je te cherche ça deux secondes, mon cher Pierrot. Je regarde si j'ai des infos en épinglé. Tiens, j'ai ça. J'ai ces deux sites de commerce. J'ai ces deux sites de commerce, je sais pas si ça peut t'aider, Pierrot. Et voilà, un Caléligos rondement mené. Ben, rondement, on a mis un peu de temps, mais rondement. Du coup, j'ai pas vu. Alors, oui, du coup, on avait dit qu'il fallait que je rajoute. Je vais rajouter 10 minutes au pas de juron. J'étais un peu virulent sur.
Allez, 10 minutes de pas de jour en plus. Et du coup, Franken, j'ai pas vu ta réponse. Si tu jouais à Lost Ark, est-ce que tu jouais tout ça, tout ça. C'est pas grave. Bien. Ça, lui, elle, s'est torché. Allez, la barde. Deuxième barde. On était sur Artiste 2. Là, maintenant, on est sur Barde 2. Et après, on va aller voir Warlord et Slayer. Voilà, Slayer, je fais que les donjons du chaos. Je me fais pas chier avec les... Faut que je la up. Mais il faut d'abord que je up le pistolet lancier 1460. Parce qu'il est pas up. Il est 1415 ou 1445. 1415. Donc déjà, il faut que je le up. Et après, on verra pour la Slayer. Mais là, la principale chose, là, c'est monter le roster 6. Là. J'essaie de me bouger pour monter le roster 6. Je vais faire les dons de guild et après, on va sur la barde. Hop. L'avantage, c'est que les donjons du chaos, moi, je les trouve super rapides en barde. C'est l'avantage. Enfin, c'est l'avantage. Après, moi, je les trouve rapides parce que je joue que des supports ou quasi, presque. Donc, je les trouve rapides, mais... Hop, allez, on est parti. Le plus long, c'est de les paquer, là, parce que là, ils peuvent pas tous en même temps. On va se bouger un peu. N'oubliez pas, demain 14h, giveaway. Une carte cadeau 25€ Steam ou 25$ Star Citizen au choix du gagnant. À partir de 14h, on fera un petit peu de marble avant pour donner des piécettes à ceux qui arriveront sur le moment. Leur donner des piécettes pour qu'ils puissent acheter des tickets pour participer. Je pourrais aller encore plus vite si je claquais mes ultis d'ailleurs, mes trucs. Allez, on recommence. Et chez nous, c'est comme tout, on fait tout en double. Allez, on est reparti. En fait, c'est le portail 1 qui est le plus long, en fait. Autant que ça pop.
Et voilà. J'ai pas été assez rapide sur les touches. Même pas de braise du destin pour le moment. On est au 6ème KO, pas une seule braise. Ça va vite, hein. Oh là là. Et voilà, ça c'est fait. J'ai mal au bras. Atcha. Ok, tripote. Ok. Allez, go KFC. Oh, j'ai une gemme 5. Oh, putain de ta maman. Eh ben, allez, hop. 5 minutes de plus. Génial. On rajoute 5 minutes au timer. Ça, c'est bon. Bon, la semaine prochaine, on essaie de se faire des cacoules ensemble. J'aimerais bien, Liana. J'aimerais vraiment bien. Si on regarde bien, j'ai quand même perso qui peuvent le faire, moi. J'en ai pas eu 8, c'est sûr. J'en ai 1, 2, 3, 4, 3, 5, 4. 1, 2, 3. Ouais, j'ai 4 persos qui peuvent faire des cacoules. Donc j'en ai pas eu 8, moi. J'en ai pas autant que toi, parce que j'ai pas autant de persos 1490. Mais ouais, je veux bien en faire avec toi, ouais. Avec grand plaisir. On va aller faire KFC.
Pas de trouble, on les fera ensemble, je prendrai mes supports avec des DPS et l'inverse pour toi. Ouais. Après moi c'est vite fait, hein. De toute façon j'ai qu'un seul perso DPS qui peut faire cacoule tout le reste, les trois autres c'est des supports. Deux artistes et une barde. J'ai l'élé tempête, les deux artistes et la barde. Après, en Mario, je maîtrise le 1 et le 2. Enfin, je maîtrise le 1, le 2, faut que je m'entraîne encore un peu. Pas de soucis, Ayana, j'aime quand tu profites de moi. J'adore ça. C'est quelle heure, là? C'est 15h25? Pourquoi ça tacle pas, là? Allez, les mecs! Ah! Je vais cliquer à côté. C'est quoi cette braise là? Pour la G3, j'ai encore besoin de pratique. Bah oui, moi aussi, clairement. Moi j'ai du mal avec les dés sur la G1 et j'ai du mal avec la Velga Orb à la fin sur la G2. Le sens. Après, si le sens est pingué, j'ai aucun problème, ça se fait. Mais si le sens est pas pingué, j'aurais du mal. Ouais, Vivi Nana, c'est sûr, mais bon. Je préfère faire la méca correctement quand même. Il me manque toujours le premier sens de rotation. Ouais, bah ouais, moi je... De toute façon, ouais, les Velga Orb et les QTE, c'est mes bêtes noires. Enfin, c'est ouf, hein. Et mince. C'est pareil là, quand vous êtes sur des Scaluda, si vous êtes stun par les pics qu'il envoie là, n'hésitez pas à ping où vous êtes, ça va déclencher en fait, ça va nous donner, ça donne une indication aux autres sur où se mettre pour le contrer en fait. Et c'est vachement plus pratique. Parce que du coup, vu qu'on a le ping, on sait directement où aller pour le contrer. Ou a fortiori, si on n'a pas de contre, se mettre entre pour se faire choper à votre place. Généralement, moi c'est ce que je fais, vu que j'ai l'armure lourde, généralement j'essaie de me faire choper en fait à la place des DPS. Si j'ai pas le contre. Parce que moi je résiste plus vu que j'ai l'armure lourde. Tout le monde devrait avoir un Murloc, tous les DPS. Ah. Allez, un burst. Bon après on s'en fout, c'est des Scaluda, hein, vous allez me dire, hein, mais disons que c'est toujours plus pratique pour ceux qui jouent avec vous. Vivi Nana, 1, 2 et 3, ça va, mais le premier à chaque fois je le rate. Ah ouais, Velga Orb, ouais. Bah moi je loupe tout, donc du coup, si on me le ping, ça va. Ou à l'oral, droite, gauche, machin, ça me va ça. Avec le petit ping qui va avec, j'aime bien, mais... Mais c'est vrai que ouais, non, moi j'ai du mal avec ça. Hein.
Eh ben, les braises, hein, c'est pas ça. Hein. Au passage, demain, pour la mise à jour, il y a Lostark vient de Amazon Game Studios vient de poster un truc là, enfin Lostark quoi. En gros, vous attendez pas à jouer demain avec le merge des serveurs, c'est mort. Allez, le pistolencier. Mais c'est pour ça, je pense, si je suis licencié, je pense que j'aurai plus le temps de faire des raids et de vous montrer autre chose que des contenus quotidiens et des trucs chiants, en fait. J'aurai plus le temps de faire des raids, du learning aussi, parce que, bah, mine de rien, le learning, moi, je suis comme tout le monde, j'ai besoin d'apprendre, hein. Genre, c'est pas parce que j'ai un perso 1570 que je sais faire Kakul G3, non. Bien au contraire. J'ai même du mal sur Kayan G3. D'ailleurs, ils vont supprimer la... G4, pardon. Ils vont supprimer la G1 de Kayan, d'ailleurs. Ils vont supprimer la G1 de Kayan, la G1 de Vikas, et G2, G5 de Brelshazzar. En vrai, c'est pas déplaisant. Faut vraiment que je le monte, lui. Hein, parce qu'il est 1415. J'ai quoi comme stuff sur lui? Ah ouais, bah ouais, j'ai le stuff Argos. J'ai le stuff Argos sur lui. Faudrait que je le change. Faut que je m'occupe de ça. J'ai pas le temps. Trop compliqué, les amis. J'ai enlevé le chat réservé aux followers, en fait. Ouais, tous les copains peuvent parler. Ah, ils sont là. Ah, elle est là, la pépette. Aïe. Dernier niveau. Allez, copains. Mince, je me suis trompé. Ah!
Et voilà. Ça c'est fait. Deuxième fois. C'est vrai que ça va pas mal aussi, hein. Avec le pistolet-lancier, c'est vrai que. Et le pire, c'est qu'en plus, je suis pas du tout opti, parce que quand on regarde les gravures, j'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir, mais putain, ça passe carrément bien en fait. Donc, j'ose imaginer avec un pistolet-lancier en 5 lignes le carnage que tu dois faire, quoi. J'ai un collègue qui joue Warlord justement en main. Et il me disait que par rapport à tous ses autres persos, c'est celui avec lequel il va le plus vite, le pistolet-lancier. Ce qui me dit, tu peux tellement pistoler le canon rotatif là, que du coup, c'est juste absolument n'importe quoi. Bon, moi, c'est ce dash en arrière qui me perturbe. C'est pour ça que j'ai du mal à le jouer, le pistolet-lancier. Le dash en arrière, ça me trigger. J'ai carrément du mal. Si vous pouvez vous paquer, mes copains, ça serait bien. Ouais, déjà deux, ça serait pas mal. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, dernier niveau. Dernier niveau, et après on dira bonjour à Descaluda à KFC. Ah mince, j'ai oublié d'enlever mon shield. J'ai taunt alors que j'ai oublié d'enlever mon shield. Zut! Et là j'ai taunt après avoir shield, mais n'importe quoi! Hein. Bon, toujours pas de braise du destin, hein. Aujourd'hui, zéro braise pour le moment. Une petite braise à 50 000 gold, ça pourrait faire du bien. Hein. La petite braise de la victoire. Là. La petite braise de la semaine. Oh, notre ami Arkios se connecte.
Et voilà, les tripodes, c'est fait. On dégage tout le reste. Oh, ta maman! J'ai tout ouvert. Ok, ça c'est géré. On a fait le cube ou pas avec ce perso? Tac, 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 tac. Non, on n'a pas fait de cube. Faudra que j'en fasse un. Ouais. Ah, attends. Alt J. Effectivement, j'ai pas fait de cube avec ce perso. Et j'ai pas pris les quêtes. Oh, j'ai pas pris les quêtes de guild. Pas grave, de toute façon. Hop. Après, du coup, avec celui-là, on ira faire les cubes après ça. Rechercher. On ira faire le cube juste après. Sur la semaine, je fais en moyenne 15k gold avec, pour l'instant. Ouais, mais c'est bien, hein. Moi, cette semaine... Cette semaine, j'ai dû faire... En moyenne, ouais, c'est à peu près ça, en moyenne, hein. Ouais, en moyenne, on est bien, hein. 15k gold, je trouve qu'on est sur... Ouais, à peu près pareil, ouais. Coucou Arkios, comment va mon grand copain? Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Il va bien, tant mieux, ça me fait plaisir. T'as vu, je joue là. Je joue un 35 tonnes. Vive les lourds. Bah évidemment. Ah, j'ai encore... Je suis encore trompé, c'est dingue, hein. Coucher le piaf. Kenzaki, c'est quelqu'un qu'on connaît, non? Bah bien sûr, c'est Franck, Kenzaki. C'est Francky. Ah ouais, j'avais pas vu. Oh Franck! Mon Francky! Ah ouais, carrément. Après, non, mais il est pas sur Trixion, si. Je sais qu'il est sur Ezrebet. Démasqué. Putain, c'est lui. Oh, matchmaking. Ouf. Ah mais ah punaise. Ah bah oui, c'est son deuxième, c'est sur le deuxième, c'est sur le deuxième serveur. Je suis désolé, je suis pas très très bon en piste lancier, je suis pas hyper bon. J'avais même pas fait gaffe, tu vois, j'ai tellement pas l'habitude de regarder les gens, les pseudos avec des gens avec qui je joue, que du coup j'avais même pas vu. Énorme, énorme. Solo FR, bah oui, c'est forcément, bah oui, évidemment. Je regarde souvent les pseudos pour les mettre dans ma Death Note au cas où. Moi non, bah moi c'est plutôt l'inverse en fait. Je regarde les noms, je regarde pas les noms des persos parce qu'en fait,
je suis content, j'ai joué avec Franck. J'ai joué avec mon Francky. Oh putain, en plus, en total hasard. Hein. Total hasard, les amis. Hein. Donc du coup, on va aller faire un cube là maintenant. Parce que j'en ai pas fait avec celui-là, donc il faut que j'aille faire générer mes gemmes. Tu sais, mon Arceus, la plupart du temps, tu sais, je suis en support. Moi, je regarde pas mes mates comme. Enfin, je regarde pas les noms de mes mates. Hein. Je joue, je regarde et je pose mes shields et hop, en avant. Hein, je regarde pas. Je regarde pas les noms en fait. En support, je regarde pas les noms, je regarde que la vie. Donc, du coup, c'est vrai que. Puis, j'y pense pas à mettre en banlist, j'y pense pas. Il y en a qu'un qui a été super relou, je sais plus quand, là, sur une. Sur un raid, ça a été un gros salopard. Du coup, j'ai dit à lui, par contre, je le banne. Enfin, je le bloque. Ah non, c'était pas en raid, c'était dans quoi ? J'en sais plus. Je les reporte pour trash talking et je les banne. Au pire, clic droit, bloquer, ça va vite. Oh non, mais moi je reporte carrément, moi en fait. Ça bloque automatiquement. Comme dirait l'autre, je suis une pute à clique. Attends, sérieux? Oh, The Foxer! Oh, bah putain, décidément! Ah, bah dis donc! Oh, mais non! Eh bah, vous voyez là? Oh mais je suis en train de me faire stream snipe là les mecs. En matchmaking je suis avec The Foxer. Au passage c'est un. Il fait du stream Artist, il fait du stream Lost Ark. Il faisait un petit peu de Star Citizen, The Foxer je crois. Ah mais c'est qu'il a mon stream en lurk. Oui c'est ça, il m'a snipe en fait. Énorme. En fait, ouais, je me fais stream snipe, même sur le Stark maintenant, je me fais stream snipe, quoi. Oh mon dieu. Où va le monde? Réussite. Mais c'est exactement ça, Arceus. C'est ouf. C'est oufissime quand... En plein matchmaking en fait, totalement au hasard quoi. Tout ça pour passer à la télé. dis le mec avec lequel je viens de faire. Je viens déjà de faire un Descaluda. Oh là là. Ah oui, oui, Aliana. Si jamais t'as besoin d'un coup de main sur le clown, parce que moi je pourrais pas le temps de te les faire aujourd'hui, enfin de les faire avec toi aujourd'hui, vu qu'il t'en reste 4, Arceus il peut t'aider lui. Moi c'est pareil, faut que je trouve du learning sur en G3, Ah bah aujourd'hui non, mais aujourd'hui c'est compliqué. Mais peut-être. Après mettez-vous d'accord. Après moi je sais pas. Hein. Je suis pas devin. Hein. Mais ouais, faut que je mette. Le mardi c'est compliqué. Bah oui, c'est le dernier jour. J'imagine bien que c'est compliqué. Ça. Coucou Foxer. Au fait, je me fais stream snipe même sur le Stark quoi. Je faisais mes daily, je tourne la tête et je te vois en cube aussi. C'est super cool. J'adore. Surtout que juste avant, j'étais en plus avec... j'étais avec Franck. J'étais avec Franck juste avant. Complètement pareil en matchmaking. C'est top. C'est trop génial. J'adore. J'adore cette imbrication là. J'aime bien. J'adore. C'est cool. Bon, alors du coup. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On ouvre ça déjà. Non, j'ai dit on ouvrait ça déjà au max, c'est déjà bien. Voilà. Tac. Une gemme 5. J'ai encore plein de casse-couilles si tu veux. De casse-couilles aussi.
Non, mais bah là en fait, là moi je vais attaquer. Il me reste encore ma Slayer à faire, mais sur. Bah écoute, ça va très bien. Et toi, Foxer? Il me reste. En fait, j'aurais bien besoin d'un petit rush après sur la Slayer. J'avoue que je fais pas les donjons, je fais pas les raids gardiens avec la Slayer parce que je suis pas assez haut, du coup il y a pas assez de monde. Et comme je suis pas très bon, du coup je compense pas pour pas compenser quoi. Pour les dégâts que je fais pas, donc du coup. Ça va très bien et toi du coup? Tranquille, retour sur le Star depuis juin, je rattrape le retard. Mais là, à partir de vendredi, grosse semaine Starfield. Ah bah oui, bah, de toute façon, demain, t'attends pas à jouer demain, vu qu'il y a, le merge des serveurs E-West à U-Central. Mais sinon, ouais, c'est cool. Vas-y, Naria, go, je te rush ton gardien. Oh, t'es un amour. Bah attends, je daise. Et go. Merci énormément, Franck. Demain, c'est jour de repos. Exactement. Patch day, no play. Demain, c'est patch day, no play. Ouais. Bah, demain, de toute façon, de toute manière, nous, on sera sur Star Citizen, sur la plateforme verte. La plateforme dont on ne doit pas dire le nom. Journée à 23 d'SK. Ah ouais, non, mais moi, je peux pas. Je peux pas faire autant. Enfin, je peux pas tout faire comme ça. Je peux pas faire autant de trucs. Moi, c'est pas possible. Enfin, je peux pas en. Là, tu vois, d'ici une heure, faut que j'arrête. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, Starfield. Moi aussi, je suis curieux. Mais vu que c'est du mono, c'est du mono, je suis pas hyper, hyper fan. Alors, on va grouper notre Franky. Ah bah non, je suis con, je vais faire un truc. Du coup, tac... Bon, c'est Velga, c'est Yo, du coup. Non, refuser. Trouver groupe, créer salon. Et sur Yo. C'est parti. Ah bon, d'accord. Bah écoute. Je savais pas, alors du coup, voilà. Mais bon, Velga. Le monde est petit sur Lost Ark, mais clairement. Clairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franky. Comme dirait l'autre, hein, tout ça pour passer à la télé. Hein. Évidemment, il faut qu'il soit tout en haut. Hein. Comme de par hasard. Coucou maman. Ah, s'il passe par là, c'est que c'est plus rapide. C'est un malin, ce Franky. Je vous dirai ça le 1er septembre. Ça marche. Bah écoute, ça marche, Aliana. N'hésite pas à le marquer sur le Discord, hein. J'ai la flemme d'utiliser des popos là, franchement. Ah bah je vais pouvoir m'entraîner sur les Velga Orb, je crois, peut-être.
Ah, y aura pas. Bon, bah tant mieux. Ça me va bien. Enfoiré de ta maman! Oh! Il m'a jump dessus, le petit saligo! Allez, pète-lui ses grand-mères! Allez, vas-y! On... Putain, comment je suis trop fort! Oh! 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 Merci, Francky! Merci beaucoup! Ouais, oui, du coup, Liana, n'hésite pas à le marquer sur le Discord quand est-ce que tu veux les faire, t'es cool. Comme ça, on peut essayer de se mettre ensemble pour les faire. Ça m'arrangerait, ça me plairait bien. Vas-y, il prend la photo, il prend la pose. Salut, beau gosse. Merci beaucoup, Francky. Tout ça pour passer à la télé. Je souhaiterais remercier ma famille, mes amis et les gens qui ont cru en moi pour ce grand moment. Qui sans vous ne serait jamais arrivé. Il est super gentil, Francky. Merci énormément. Ça me rappelle les bus Velga. Ah ouais, la bonne époque. J'ai jamais bussé ce machin, moi, parce que je suis incapable de faire les certains trucs, donc je t'avoue que... on a dit 1325, c'est pareil, il faudrait que je la monte aussi. J'ai trop de persos à monter. Sachant qu'en plus, en novembre, il y a un nouveau perso qui sort. Mais je pense qu'avec le pass qu'il va y avoir en... Avec le pass qu'il va y avoir en novembre, je pense que je vais monter un autre de mes supports. La Soul Reaper, la Soul Eater, elle montera la mano. Elle se prendra un pass express, mais elle prendra pas le Mokoko Express dessus. Ouais, mais j'imagine, Franck, mais j'ai jamais fait ce genre de choses, moi, tu vois. Mais après, moi, je suis à la bourre, je suis tout le temps à la bourre, surtout, moi, alors du coup, forcément. Quand je peux commencer à faire des bus, en fait, ça passe à autre chose, et du coup, ça vaut plus le coup de les faire, donc... Le boss, il est là. Merci The Foxer pour ton abo, merci énormément, merci beaucoup pour ton prime. Attends, hop, cadeau, ça traînait. Merci énormément, t'es trop gentil. Du coup, on va faire un giveaway. Allez, point d'exclamation, gift les amis, une minute pour participer, 500 pièces c'est à gagner, le ticket de tombola du coup gratuit pour demain. Merci énormément The Foxer. J'espère que les emotes te plairont.
Allez, 25 secondes, point d'exclamation, gif les copains. Une minute pour participer. 25 secondes pour participer, 20 secondes. Et un ticket de tombola du coup gratuit pour le giveaway mensuel de demain. Parce que demain on est le dernier jour du mois. Et oui, les vacances c'est fini pour tout le monde. Sauf pour ceux qui sont en accident du travail. Hein? Des vénères? Non, je déconne, je rigole. Je rigole, non, c'est pas des vénères, accident du travail. Jamais drôle. Même si c'est vrai que des fois ça permet de jouer un peu plus. Non, on est le 29. Ah, on est en août, putain! C'est après-demain! Merde! Je me croyais en septembre, moi déjà! Oh, ce blaireau! Je vous entends, Vanessa! Ça sert à rien de rigoler comme ça! Hein? Bon, du coup, bah, c'est pour le giveaway de après-demain alors. Ah, merde, putain! Moi, je pensais que c'était. Ah, je me voyais déjà demain le dernier jour! Oh, bah mince! Allez, on va prendre les gagnants. Alors, gagnant est Olivier. Bravo à toi. Oula. Allez, j'enlève le chat réservé aux followers. Au fait, Aliana, as-tu reçu le giveaway des... Le giveaway, les 25 euros Steam que je t'ai envoyé. Super. Bah merci, j'ai fait ça avec un mois de retard, hein, mais ça va. Ah, c'était, on va dire que c'était les vacances. C'était exceptionnel. Oui, je sais bien, mais bon. Je suis quelqu'un de parole. Il nous restera une demi-heure. Tu attestes un peu la 320? Non. Non, j'ai vu des streams dessus, mais pas de test à 320. Je t'avoue que de ce que j'ai vu, ça m'a pas plus hypé que ça. J'ai hâte de tester par contre l'Arena Commander. Enfin, pas l'Arena Commander, pardon, le FPS au sol là. Le FPS, ouais, j'ai hâte de tester la zone de FPS, mais sinon. Mais ça m'intéresse, ouais, ça m'attire pas beaucoup. Hein. En dehors du ULC, franchement, le reste. Je suis pas hypé, hein, on va dire. J'ai pas trouvé fou la 320 et encore bien bug en Wave 2. Je suis d'accord. Je l'ai pas trouvé fou. Je suis en pause essai pour le moment. Lost Ark prend trop de temps. Bah, en fait, moi, il faut... le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, comme j'ai une communauté sur les deux jeux, je peux pas en privilégier un plus que l'autre. Parce que c'est vrai que. Il y a des fois, je ferais quand même sacrément une pause essai parce que des fois, ça me. Voilà quoi. Le LC, il faut l'avoir acheté, je sais bien. Après, moi, c'est prévu que je l'achète, donc dans tous les cas. Mais voilà quoi.
Allez, on va faire les tripotes. Mais ouais, franchement, moi, elle me hype pas plus que ça, la 320. Les trucs qui m'intéressaient en 320, ils les ont enlevés. Donc forcément, bah, maintenant, j'attends pas grand-chose, en fait. Moi, j'attendais les tracteurs BIM, en fait, pour la 320. Par contre, quand tu regardes le Hull C sur le radar, le vaisseau... Ouais, j'ai vu que c'était une top géante sur son radar. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai rigolé. Ils ont réussi à faire un... Alors, ils ont quand même réussi. On n'arrête pas de dire que Misk, c'est le fabricant qui fait des vaisseaux en forme de tub. Bah là, c'est vrai. C'est vrai, pour le coup, du coup. Bah moi j'attends, ouais c'est ça. Par contre ils ont fait les caisses de 30, 32 SCU là. Les grosses caisses, les gros conteneurs de 32 SCU, c'est stylé par contre. Hein. Mais moi en dehors de ça, là, en dehors des tracteurs beams sur le vaisseau, j'attendais ça et vu qu'ils l'ont enlevé, du coup moi la 320, ouais, je t'avoue que je suis pas hyper emballé. Coucou Crowboz, yo, je suis le rat qui fait du rap. Coucou, tu es le rap tout. Non, c'est ça. C'est pas un truc des... c'était pas les inconnus. Nous sommes les frères qui rappent. Nous sommes les rap tout. C'est pas ça. C'était pas un truc comme ça, d'ailleurs. Si, ah. Si, c'est ce qui me semblait, hein. J'ai quand même eu le doute, hein, quand même. Je me suis dit, putain, si c'est pas ça, je vais me taper la honte. GG 13, level 113. Oh 13, level 113, impeccable. Bravo à toi et merci de ton soutien. J'espère que tu vas bien au passage. Oui. Hop. Non, ça c'est bon, ça passe là. Tac, ça va ici. Est-ce que j'ai fait un cube avec ce perso-là? Est-ce qu'on a fait les cubes? Ouais, on a fait les cubes. Super. Bon, allez, on va l'acheter le truc de guilde avec ce perso-là. On va aller acheter les objets de guilde pour la plupart des persos qu'on a besoin, parce que les autres, voilà quoi. Pensez à activer votre triport. Cela vous facilitera votre voyage. Ouais. Pensez à activer votre aura cristalline. Ça fera des goals pour Amazon Prime. Pour Amazon. Ou pas. Alors, on a dit qu'on prenait ça. Ensuite, on a dit qu'on prenait ça. Et ensuite, on a dit qu'il prenait ça. Le reste, Osef. Quoi qu'on a, on a combien? On a 52 000. Peut-être prendre ça. Ça coûte bonbon, ça. Voilà. Les potions d'XP, on s'en fout. Pensez à vous abonner à Neria. Mouais. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Alors, ça, on ouvre. Yeah, du ticket. Ensuite, ça, on ouvre. Ça, on ouvre. Ça, on ouvre. Voilà. Ensuite, ça, on ouvre. Voilà. Ah voilà, il y a ça. La pierre, les pierres de bon, hein, ça sert toujours les pierres de bon. Hop. Le pire, c'est qu'on va se bouffer cette 320 jusqu'à fin décembre. Ouais, c'est ça, Foxer. C'est ça. Mais qu'est-ce que je te dise? De toute façon, on n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Hein. Ok, ça c'est bon, c'est géré pour ce perso-là. Allez, on est parti. La main, on va tout acheter sur la main. On va acheter sur la main, il faut qu'on achète les trucs de l'event.
faut qu'on achète les trucs de l'event, et faut qu'on achète aussi tout ce qui est pour le marchand de guild. Ah, Olivier, je t'ai pas crédité tes 500 piécettes. J'y ai pensé. Voilà. Comment ça va, mon Crobos? Ok. Hôtel des ventes a expiré. Ah, c'est le bracelet. Le bracelet que j'avais vendu, ouais. Ah, bah là, ça rame, évidemment. Toujours. Allez! Dommage. C'était un joli brassard, c'est dommage. Oh putain, j'en ai marre de cliquer dessus. Voilà. Oh, attends, du coup, là, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est la grenouille. Moi, c'est pas la grenouille que je veux, c'est le bonhomme. Bah écoute, je rentre de brocante, tout va bien. Et là, je vais test Sengoku Dynasty. Qu'est-ce que t'as acheté en brocante? Il a vendu ses vaisseaux Star Citizen à la brocante. Surtout qu'en plus, ils existent en modèle réduit en plus. 3 fois rien, des livres, 2 SF et 2 tasses à double fond. Parce que un seul fond, ça te suffit pas, toi, t'es un gourmand. Hein. Le mec, un seul fond, ça lui suffit pas, faut qu'il prenne des tasses avec 2 fonds. Matériau d'affinage. Eh ben, on est parti, hein. Attends. Lié à l'expédition, oui, ouf. Ça, c'est quoi? Lié à l'expédition qu'on a ramassé. Lié à l'expédition qu'on a ramassé. Il y avait des Warhammer, ah oui. Non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié, et en première page, promotion. Ok, alors. Déjà, on prend ça. Voilà. Ensuite. Voilà. C'est qu'on a pris un paquet de trucs quand même là, les amis. Alors, tripod 5. Ça, est-ce qu'on a un tripod 5 là-dessus? Oh, non, on n'a pas de tripod 5. Tiens, celui-là, on le joue. Ouais. Là-dessus, sur le Meloman, on a quoi? À l'impact, vitesse de déplacement de l'ennemi, ouais, ça, on s'en fout. Non, mais attends. Ouais. Oh, merci Tibni pour ton raid, merci énormément. Merci beaucoup, yo, comment tu vas? Bienvenue à vous deux, comment vous allez? Merci beaucoup pour ton raid, j'espère que ça va bien. Bon, tant mieux, merci énormément copain, merci beaucoup pour ton soutien, ça me fait super plaisir. Pour une valeur de 40-50 en moyenne, il n'était pas ouvert, ça va.
J'ai hâte des élixirs sur Lost Ark pour boost un peu les persos. Ah oui, bah moi j'ai hâte déjà de pouvoir monter 1580 pour faire le nouveau raid. Les élixirs, pour moi, tu sais, c'était loin. Bah certain, mon cher. Je joue à Sea of Stars. Il est sorti. Ah, sympa. Et Starfield? Bah, il jouait à Starfield, du coup, copain? Qu'est-ce que... On va mettre celui-là. Mais ouais, je streamerai en anglais. Nice! Ouais, non, j'attends Sea of Stars depuis des mois. Starfield, bof. Si j'y joue, j'y joue. Vendredi, 2h du matin. Pour partir à 24h. Ouh! Ouais, j'avoue. Mais ouais, je stream en anglais, d'accord. Bah moi, je t'avoue que quand tu stream en anglais, je comprends rien à ce que tu racontes, mais au moins, je me dis, allez, soutiens, quoi. T'inquiète, j'ai hâte que les gens montent 1580 aussi pour le faire, le nouveau raid. Bah, je sais bien, mais moi, je... Enfin... J'ai l'impression que vous êtes tellement à des années-lumière de moi, c'est ouf. Ça, faut que j'ouvre les bouquins. C'est l'autre page des bouquins. Voilà, ça va là. Non, c'est pas ça, ils sont où? Oh putain, ils sont où? Là, j'ai trop de trucs là. Là, je suis d'accord, j'ai trop de trucs. Tac. Il est où l'autre? Il est. Alors. Première page, on a ça. On a ça. Non, deuxième page, ça. Ouais, ça, c'est deuxième page. On a ça, je consomme. Ça, je l'envoie dans la banque. Je te laisse avec l'unique viewer que j'avais. Et c'est pas grave, Tibni. L'important, c'est... On s'en fout du nombre de viewers. L'important, c'est le soutien. Merci énormément, Tibni. Merci beaucoup. Oh, un Générico! Bien, ça! Ah, on croise les doigts, légendaire! Ta maman! Tu peux faire la bouffe de Helgacia, je crois. T'as des pommes. Je l'ai faite déjà. Je l'ai déjà, la Helgacia. La tarte aux pommes dorée, je l'ai déjà. Tu sais, moi, comme j'ai pas eu la chance de looter l'omium sur Israfel, tu sais, je suis obligé de le faire encore, Israfel. Pourquoi je les garde? J'en sais rien. Parce que je les mange. Hop. Et voilà, je l'ai mangé. Hop, je l'ai mangé. Ah bah celle-là, je peux plus la manger, celle-là. Hop. Ça, on consomme. Ouais, des gâteaux nuages, trop bien. Lié à l'expédition. Ah bah oui, mais pourtant il est bien lié à l'expédition. J'ai 16 là. Ah, parce qu'ils sont là les autres, non? Ils sont sur cette page-là? Non, j'en ai pas. J'ai ceux-là là. J'ai ceux-là ici, pourtant. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je pourrais bien les enchaîner. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et eh ben c'est parfait. Tac tac tac, on a acheté tout ce qu'on avait besoin. Ok, maintenant la guilde. J'ai un sacré bon là. Ouais, on a gagné deux places. Wouh! C'est vrai que. GG Okeltas, GG Crobros, bravo à tous les deux. Merci énormément de votre soutien, les copains. C'est vrai que deux places, c'est important quand on n'en a plus que deux. Faut qu'on en a plus beaucoup, c'est important les classes. Les places. Pardon.
Du coup, vu qu'on a récupéré un Jericho, on va voir si on peut le up, le Jericho, ça pourrait être cool. Le petit neveu se réveille, je recoupe le son, à toutes et bon jeu. Ça marche, Foxer, merci énormément pour ton Prime, merci beaucoup. Il est où mon bonhomme, il est là. Ah. Du coup, ça, paf, paf, paf. Voilà. Avec plaisir, bon après-midi. À toi aussi, maman, tu sais, là, je vais pas tarder d'arrêter pour aller dormir pour mon travail de ce soir. Hein. Parce qu'ils m'ont calé une formation à 21h, du coup, ça me décolle tout d'une heure. Donc, c'est-à-dire que je dois partir au boulot au moment où, normalement, je mange. Donc, c'est très chiant. C'est très relou, mais bon, malheureusement, il n'y a pas le choix. Voilà, ça, c'est bon. Tac, 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 tac. Bon. Allez hop. Ah oui, on voulait voir Jericho du coup. Carte. Jericho. Deux. Ah non, pas encore. Ok. Pas encore, Jericho. N'a pas encore fini. Bon, demain, les amis, on sera sur Star Citizen, sur la plateforme verte dont on ne doit pas dire le nom, sur son concurrent violet. Voilà, pour ceux qui savent. Voilà. On sera sur Star Citizen. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On ne sera pas sur la PTU. Ça, c'est sûr et certain. On ne sera pas sur la PTU. Mais on fera peut-être en Hurricane. On fera peut-être un petit peu de Bounty en Hurricane. On montrera peut-être les réputes VLRT, du coup. Demain. Demain, ça pourrait être pas mal, effectivement, de monter les réputes... les réputes Bounty, ouais. Bah, écoute, franchement, moi, j'ai joué dessus avec la Corpo dimanche soir. Ça s'est pas trop mal passé, hein. Bon, du coup, avant d'y aller, est-ce qu'on a des symboles de la guilde, là? Symboles. Objet de collection. On a 5000 Silmael. On peut peut-être aller voir pour acheter quelque chose. Franchement, après, si c'est trop pété, on fera du Big Ambition, parce que j'ai pas mal de trucs à faire sur Big Ambition. Enfin, j'ai pas mal de trucs. J'ai quelques petites choses à faire sur Big Ambition, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Là, j'attends ma paye pour prendre un petit SSD SATA de 2 Tera pour pouvoir mettre les petits jeux vidéo dessus. Le peu que j'y ai joué, c'était complètement pété pour les bunkers. Mais pour le low fly, pas de soucis. Ah! Bah, on verra, je t'avoue que je sais pas. Alors, attends, si je prends ça déjà, si je prends ça, j'en ai 5000, déjà ça me fait 3000 en moins, quoi. Donc, il me restera plus que 2000. Ça, déjà, on va prendre ça. Ça, déjà, c'est impératif. Voilà. Il me reste combien? Il me reste. On va prendre une comme ça. Allez, on va tout prendre. On va prendre ça. Il reste combien? Il reste 320. Allez, hop, terminé. Ça, c'est du lié. Et le cube. Un ticket de cube. J'ai fait un cube avec elle? Avec ce perso? Ouais, j'avais fait un cube. Ok, super. Du coup, maintenant, on va voir Arzus. On va acheter ce qu'on a besoin sur le roster 6. Et après, je pense que ça sera terminé parce que... On va...
Je vais pas tout dépenser, je vais pas faire le tour de tous les persos parce qu'il y en a, c'est pas nécessaire. Il y en a, ça fera comme ça fera. Hein. Par contre, si je finis avant, il y a peut-être moyen qu'on fasse un ou deux petits clics sur les petits persos pour les monter 1460. On verra. Ou alors on clique le roster 6. On pourra peut-être cliquer les tempêtes, ouais. Ça pourrait être pas mal cliquer les tempêtes pour pouvoir voir ce qu'elle a à nous offrir. Parce qu'on est à 1498, pour passer 1500. À 1500, il y a les nouvelles récompenses. On peut peut-être voir ça pour cliquer les tempêtes. Je sais pas si j'ai des clics gratos. Je crois que je les ai déjà utilisés, les clics gratos. On va voir ça. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que le prochain perso, je pense que c'est le paladin qui va monter. Là, je suis en train d'économiser. Là, il me faut pour passer de 1460 à 1490. Je suis en train d'économiser 800 pierres d'Oréa pour passer les persos parce que la dernière fois, c'est ce que ça m'a coûté pour passer mon artiste. Du coup, maintenant, je fais 800 pierres d'Oréa et je passe le perso 1490. Mais comme je fais Arma tous les jours, parce que j'ai pas le temps, c'est compliqué. On est bon, hop, ça va. En banque. Voilà. Le don de guild, peut-être, ça pourrait être pas mal. C'est fait déjà. Par contre, est-ce que j'ai de la gemme à récupérer, tiens, de la gemme 5 ? Il y a de la gemme 5 à récupérer. Et du coup, on peut tenter une petite gemme 6. Allez, on croise les doigts, une petite gemme 6 qui passe. Et ben non. Loupé. Ça fait une deuxième gemme 6 pour l'artiste. C'est du lié. Ouais. Ah bah autant pour moi. J'ai mal rangé le truc. Ok. Ça c'est bon. Du coup, l'année coquette. L'event, j'ai tout acheté à l'event, ouais. J'ai tout pris. Sauf le Vita Miaou. Il n'y a que ça que j'ai pas pris. Sinon, tout le reste, j'ai tout pris. Et les doublons, évidemment. Parce que les doublons, je les accumule jusqu'à la fin. Et la dernière semaine, je prendrai tout. Et avec ce qui me reste, j'achèterai tout en doublons. Grave, mon chat. Alors, la guilde, elle est par là. C'est par là. Non, c'est pas là. Je me suis planté. C'est ça, c'est pas là. Je me suis trompé. Ah, j'ai pas eu le temps. Je viens d'envoyer une vidéo dans Clip. Ah! Qu'est-ce qu'il a clippé? Ah! Je code avec le cul! La fameuse vidéo, je code avec le cul! Ça, je pourrais la mettre en point de chaîne, celle-là. Il va falloir que je la découpe et que je la mette en point de chaîne. Ça pourrait être marrant. D'ailleurs, je vais vous faire découvrir la nouvelle en point de chaîne. On a ça maintenant. Non, mais je suis pas du beau côté. Mais je suis une... bouse. Non, mais attends. Putain, si, j'étais au bon endroit. Ah, mon dieu, putain, c'est pas possible d'être aussi nul.
Et voilà, ça c'est fait. Pareil, des shillings, c'est parfait. Et voilà. Hop. Et on est pas mal, du coup. Tac. Ah, si, on va récupérer les gemmes 6. Il en manquera une gemme 6 pour pouvoir pour faire une gemme 7. Ok. La semaine prochaine, du coup. Ah, j'ai pas fini les... j'ai pas fait les donguilles au passage. J'ai commencé à cliquer, mais j'ai pas eu le temps. Surtout le refrain. Ouais, non, mais je le connais le truc. Pour ça, je vais merci Olivier, je vais en faire un truc sympa, je pense. on va s'amuser. Je vais couper, je code avec le cul et je vais le faire en son. On va faire un truc marrant. Ouais. Moi aussi, je t'aime, mon chat. En fait, j'ai confondu avec ce perso-là. Donc j'ai confondu avec Grand Château en fait tout à l'heure. Arteline et Grand Château. Parce que il est là. Le mec est là en fait, il est de l'autre côté. Du coup c'est pour ça que j'ai cru que je m'étais trompé. 29, j'en ai pas besoin d'en acheter ça, c'est bon. Alors, c'est pareil, elle, on pourrait la cliquer, hein, parce qu'elle a de quoi faire. Hein. Oh, punaise. Ça pourrait être le prochain perso qu'on cliquera pour le maintien 1490, vu qu'on a la blinde de compo déjà dessus. Ça pourrait être... je sais pas si on peut dire intelligent, mais ça serait toujours ça de gagner, en fait, en compo. Vu que c'est des compos liés, je peux rien en faire. Ouais, vu que c'est des compos liés, que je peux rien en faire. Peut-être. Peut-être. On pourra peut-être s'imaginer que celle-là elle pourrait être pas. J'ai combien là? J'en ai combien? 560 et j'ai 7 coffres de 30. Donc on a quoi? On en a 3721, on en a 210 là. 210 là, plus 560. Ça fait du 780, 770. 770, on est pas mal, on n'est pas loin des 800 là, donc c'est plutôt cool. On pourrait en crafter un petit peu plus et on pourrait peut-être envisager de monter celle-là du coup. La montée 1490. C'est pas comme si Bard on connaissait pas. Hein. D'ailleurs, oh putain, vous m'y faites penser. En parlant de Bard. Voilà. Et on prend le tir rapide. Voilà, j'avais complètement zappé que je pouvais monter mon choc sonore à 30. Je t'ai mis une parodie de La Reine des Neiges, une reprise de Baby Shark. Ah ! Alors, Pierrot, je vais te rendre ton pas de juron, je vais te le rendre. Parce que je vais pas tarder d'arrêter, donc du coup, j'aurai pas un quart d'heure encore. Donc je vais pas tarder d'arrêter, donc je vais te rendre tes points. Et tu pourras le faire jeudi si tu veux. C'est quoi, c'est le pas de juron, c'est ça? Pas de juron. Rejeté. Voilà, je t'ai rendu tes points. Tu pourras modifier aussi la date de ton donguille. Bah oui, du coup, je ferai ça tout à l'heure. Ok, donc ça, c'est bon. Pierrot, je t'ai rendu tes points. Elle, on est bon. Il nous reste... donc, donguild. Je crois que je l'ai déjà fait, le donguild avec elle, moi. Peut-être. Je sais plus. Ouais, j'ai tout fait.
Du coup, on ira voir Perception après, je pense. On ira voir Percé. Sauf si vous avez un streamer à me suggérer. Si vous avez envie d'aller voir un streamer, vous faites proposer un raid et en avant. Sinon, on ira voir notre ami Perception. Il faut que je sorte une vidéo, donc là, il faut que je prenne le temps de faire une vidéo, parce que là, j'ai pas le temps encore, là. Oh, on a des bracelets, là, on a quoi? Premier soin, on s'en fout. Bof. N'importe quoi, et on, c'est la bouse finisse, hein. Ok, du coup, on a dit guild, ouais, donc guild. Tac. Pas mon guild, mais un chat. Ah, je clique à côté, putain. Et oui, du coup, ouais, je modifierai tout ça, ouais. Et on ira voir ça. Alors, du coup, peut-être pas dans les... Vu que c'est des suppos... Peut-être pas dans les clips, parce que ça, c'est les clips qui sont réservés à la... Qui sont... Je vais voir. Je les déplacerai au pire. Parce que les clips, c'est généralement plus ce qui est propre au stream. Ça, c'est... Ça, à la rigueur, dans Blabla Chan, ça peut être pas mal. Mais on va voir ça. Je vais voir ça, de toute façon c'est pas très grave. En soi, c'est pas dérangeant. C'est un détail. Allez petit, oh, faut que je récupère ça aussi, c'est vrai. Alors, poudre, on a quoi de poudre? On en a 12, on va les récupérer. On ouvre ça. Les coffres, ça c'est impératif, c'est de l'augmentation de pity. Vous allez plus vite en pity, comme ça. $84,000, c'est pas mal. Allez, on croise les doigts. Légendaire. Ah bah non. En plus, je croisais pas les doigts, j'étais comme ça. D'Escaluda, comme si on en avait besoin. Je fais une bêtise en plus. Enfin, c'est pas que j'ai fait une bêtise, mais j'ai pas ouvert. C'est celui-là qu'il faut jouer, c'est le violet. Ça, on récupère. C'est de la pierre de bon. De toute façon, c'est au choix. C'est soit pierre de bon, soit juice. Donc, du coup, autant récupérer de la pierre de bon, puisque voilà. Les juice, c'est pas comme si j'en avais pas 15 tonnes. Voilà. Bon, on va faire un petit raid sur Percé. Bon, mais t'inquiète. Dans tous les cas, c'est bien, t'inquiète. Déjà, c'est gentil, Olivier, d'avoir fait ça. Red. Tiens, bah perception, parfait. Lancer un raid. Tac. On va vous mettre le petit écran de fin qui va bien pour remercier tout le monde. Oh, qui se lance automatiquement, trop bien. Merci à tous d'avoir été là, merci énormément. On se retrouve du coup demain sur la plateforme verte. Merci à FrankensTV pour ton follow. Merci à Petit Pupus et Foxer pour les subs. Merci beaucoup et les resubs. Merci beaucoup à Timny pour ton raid. Bassez à tous une excellente soirée. On se retrouve du coup demain sur Star Citizen sur la plateforme verte. N'oubliez pas, plateforme verte. Hein. Ça sera sur l'autre, pas la violette, la verte. Donc on sera sur Kick. Bassez à tous une excellente soirée. On se retrouve du coup demain. Merci beaucoup à tous. Bon reset à ceux qui voudront jouer à Lost Ark demain. Et je vous dis sinon, à demain sur Star Citizen. Bye bye les loulous. Prenez soin de vous et merci encore, je vous aime.